La citoyenne qui mettait quel produit en dans ma rue, un bien policier et qui a fouillé la citoyenne là, en dans ma rue, je n'ai pas regardé là. Et on a regardé. Regardez là. Regardez là, mes amis. C'est lui mettre ma rue, non, tout drôle. C'est bien, oui, regardez. Regardez là, il y a tout doule. Regardez là, tout doule. Puis le bagage, puis le produit, tout doule. Il y a doule, monsieur, mettez les marchandises dans doule. Pour entrer dans le pays ensemble avec elle, bien. Mais c'est qui. Et pour un machin de 19 000, ils ont mis un tel. Et sous la frontière d'Abonne, on a mis là. Nous ne passons pas par Haïti à là. Je n'ai pas constaté là. Donc, ouais, c'est M. Beyo qui est présent sous la frontière là pour matin dimanche 29 octobre 2023. Donc, ouais, 4 agents policiers avec 4 agents douaniers qui ont vérifié tout le monde qui a sorti dans le pays voisin et pour matin là. Quitte c'est volontairement, quitte c'est déporté de Porto, eh bien, monsieur Beyo, qui est présent et sous frontière depuis hier et samedi à là, et nous avons dit que ça qui vient mettre l'ordre dans des ordres, et qui pas, et quel que soit mon nom, quitte ou c'est jeune monde, quitte ou c'est personnage, il a vérifié tout son côté. Je n'ai pas regardé là, et c'est monsieur Beyo qui campe mon sao qui sorti volontairement dans le pays voisin, c'est ma maladie. Il a vérifié qui ça, il a gagné en dedans et il a mis en tête. Nous, car là, il y a quelques marchandises qui sont saisies pour matin là, et rappelé pour tout internet. Et vice-délégué arrondissement, et voilà, là, et monsieur Awol est déjà présent et sous frontière là, et il a mis en tête. Nous, car et monsieur Beyo là, monsieur Beyo là, et qui a fait une belle opération, nous dit bravo ensemble avec monsieur Beyo. C'est ça. Donc on est depuis monsieur Sayon côté yo et mettez l'autre dans des zones nous dit bravo ensemble avec et monsieur Boli c'est ça. Je n'ai regardé là les amis internet et c'est monsieur Beyo et qui a fait belle opération ça là pour matin là qui va sortir et volontairement en République dominicaine qui c'est déporté de Porto et bien monsieur Beyo avec regardez là et vérification qu'a fait et monsieur qui a vérifié là. Bon bagage net et sous frontière d'abord on a maintenant il a vérifié tout le monde et voilà les amis internautes ces marchandises saisies et bien monsieur Didier Niyo parle en douane on a maintenant ensemble avec et monsieur et agent douanier et avec vice délégué à Wall mettez marchandises à une et machine ça les amis internautes regardez la machine service de l'état ça il a quitté espace et frontière pour entrer dans douane ensemble avec les amis internautes. Nous connaissons que opération ça qui lancé longtemps ça mais opération ça pas été donc serré comme ça et bien avec la présence et monsieur Didier Niyo qui vient nous a dit bagaille vinn et plus et vinn plus strict ça veut dire monsieur ça qui pas nan et grandin à quel que soit mon il a fouet tout le monde qui et c'est mon qui a sorti volontairement et dans pays et voisin qui c'est mon qui a sorti et mon qui c'est mon et déporté et bien monsieur Didier Niyo et c'est derrière nous, yo et fouiller tout le monde, les amis internautes. Regardez là, vérification qu'a fait, et les amis internautes, yo. Et MCB, yo, agent polyphone, accompagné à Saint-Mavet, vice-délégué, arrondissement, on a maintenant, et qui présent là, et pour matin, et dimanche 29 octobre 2023, et les amis internautes. Donc, voilà, c'est vérification qu'a fait dans ma lettre, dans le sac, yo. Et qui ça, mon yo, poté, est-ce que votre marchandise, est-ce que tout est pour l'autre bagarre qui a un pays à problème? Et les amis internautes, midi et Vierge Chao, on a regardé les gens et vérification à fait là. Et l'agent Beyo qui est venu pour une autre fois encore et sous frontière là. Mais si ça nous connaît depuis qu'ils vont côté, c'est l'ordre et non des ordres, ils ont mis. J'ai regardé là, ça c'est vérification qu'a fait et sous frontière d'abord on a mis là, mais nous n'en partis pas à Haïti là. Et les gens qui viennent et à marchandises, ils ont saisi et puis ils pourraient le brûler. Et les amis internet, Michel François toujours et sous place pour bonnes informations. Midi Pierre Richard toujours là et pour bonnes informations. Nous ne pouvons pas faire ça, vous pouvez faire ça.
Allez la vérification qui continue à faire et bonne fonte zoom pour vous. Ça c'est machin qui est dans machine service de l'État ça et vice délégué arrondissement Wall et saisi et pour matin là et nous regardez. Et on a regardé vérification. Vérification qu'a fait là. Et est-ce que c'est marchandise? Oui, et nous avons un CERAD. Et CERAD, les gens montent nous tous. Agé douanier, Cabri. Regardez vérification qu'a fait. Et les amis montent nous tous. Et on a parlé du quelques personnes qui ont sorti et quitté les pays voisins volontairement et les amis internet. Et je n'ai pas regardé là. C'est une vérification que monsieur et policier a fait là et pour matin là. Et on a regardé. On a appelé pour tout internet et midi Pierre Richard. Il y a des gens qui ont sorti volontairement et dans les pays voisins. Eh bien, qui tous ces volontairement, qui se déporté des poteaux et agents et policiers ont fait vérification de tout et bagage au côté, qui ces mallettes, qui c'est ça, qui c'est ça qui a vérifié. Nous avons constaté là. C'est vérification qu'a fait l'agent pour lui font ça et il a dit. Merci. Tout baganet et monsieur a vérifié et les amis tel que on nous dit bravo ensemble avec monsieur et Beyo qui présent et sous frontière bien bonnet qui vient faire vérification tout ça qui a passé et dans le pays voisin et les amis tel que vérification qui miel là. Et bois maré sous frontière là, j'en mène t'en out. Bagayo compliqué et jeudi dimanche là. Mais c'est Beyo. Mais c'est Beyo et qui est campé. On l'autre Jean et pour matin là. Et nous dit bravo ensemble avec vous. Malgré la joie avec l'uniforme, ça va empêcher lui de mourir. Regardez, vérification pour faire de tout le monde. Bon, on va laisser qu'on est nous, quoi. J'ai un appareil.